Il était âgé de 60 ans. Le président de la communauté urbaine d'Arras, Philippe Rappeneau, également vice-président de la région Hauts-de-France, est décédé mardi, a-t-on appris auprès du conseil régional. L'élu a succombé à un malaise cardiaque lors d'une randonnée dans les Alpes, selon la région, confirmant une information de la Voix du Nord. C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de notre président Philippe Rappeneau. Nos pensées accompagnent son épouse, ses enfants, ses amis et l'ensemble du personnel de la communauté urbaine d'Arras. pic.twitter.com/juxw24s.com urbaine-arras@grandara-july31-2018. Il était attachant comme personne. Il aimait la vie et les gens. Nous perdons aujourd'hui un amoureux de la région et de l'air à joie. Même si notre tristesse est immense, gardons en tête les bons moments passés avec Philippe Rappeneau. Toutes nos condoléances à sa famille. Xavier Bertrand, @xavierbertrand-july31-2018. Président de la communauté urbaine d'Arras depuis 2012, ancien instituteur, il était vice-président des Hauts-de-France, en charge de l'énergie et de la transition écologique. Ce proche de Xavier Bertrand, natif de Calais, avait également présidé le groupe d'opposition au conseil régional de 2010 à 2015. Il avait quitté les Républicains dans la foulée du départ de Xavier Bertrand de ce même parti en décembre 2017. Un élu de grande qualité, la maire de Lille, Martine Aubry, a dit mardi soir dans un communiqué sa « stupeur » et sa « tristesse » après le décès, soudain, de Philippe Rappeneau, engagé avec passion pour son territoire, et « élu de grande qualité ». « J'apprends avec stupeur et tristesse le décès soudain de Philippe Rappeneau, PDT de la communauté urbaine d'Arras, vice-PDT au conseil régional. Il s'est engagé avec passion pour son territoire et était un élu de grande qualité. » Pensez à sa famille, ses proches et amis politiques. Martine Aubry, @martineaubry-july31-2018. Grande tristesse d'apprendre ce soir la disparition de mon ami Philippe Rappeneau. Il était un élu local précurseur en matière de transition écologique, a tweeté Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à la transition écologique. Ses valeurs humanistes manqueront à la vie politique de notre région et à son Arrajois dont il était si fier, a déclaré le sénateur du Nord Patrick Kanner. Grande tristesse d'apprendre ce soir la disparition de mon ami Philippe Rappeneau, président de la communauté urbaine @grandara. Il était un élu local précurseur en matière de https://ce.co/hug3fc2evavia@lavoisdunord, Sébastien Lecornu, @seblecornu, July31-2018. J'apprends avec stupéfaction le décès brutal de Philippe Rappeneau, président de la communauté urbaine d'Arras, qui a accueilli en 2017, avant 10 juin cette année, les Journées nationales de France urbaine. 1/2, François Ripsamen, @Fripsamen, July31-2018. J'adresse mes sincères condoléances et l'expression de mon chaleureux soutien à ses proches, ses amis et tous les élus de la communauté urbaine d'Arras et des Hauts-de-France. 2/2, François Ripsamen, @Fripsamen, July31-2018. Je viens d'apprendre la disparition brutale de mon ami Philippe Rappeneau. Ses valeurs humanistes manqueront à la vie politique de notre région et à son Arrajois dont il était si fier. À sa famille et ses proches je présente mes condoléances les plus. https://ce.co/4mxgselfgo4 Patrick Kanner, @Patrick Kanner, July31-2018.